Windows, Virtual Desktop ou WVD est une plateforme de Microsoft qui améliore considérablement l'expérience utilisateur, élargit le marché et pourrait modifier les modèles opérationnels des partenaires en créant une formidable offre Desktop as a Service. Parmi les nombreuses solutions de bureaux virtuels ou à distance disponibles sur le marché, aucune n'apporte de réelles nouveautés. Elles proposent toutes des services connus depuis des années. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité du bureau virtuel de Microsoft? Premièrement, il offre une expérience utilisateur visiblement améliorée depuis n'importe quel appareil. Grâce à l'intégration des technologies FS Logic X, rachetées en 2018 par Microsoft, les profils utilisateurs sont désormais inclus dans la solution, ce qui permet des connexions ultra rapides et donne accès à de nombreuses fonctions de productivité inédites. Le déploiement de nouvelles machines virtuelles utilisant Office ne prend que quelques secondes. Le tout dans un environnement basé sur le service Azure Active Directory de Microsoft, avec des sessions utilisateurs isolées les unes des autres, des accès sous conditions et la technologie de connexion inverse. Deuxième particularité, son coût. Les clients disposant déjà de versions éligibles de Microsoft 365 ou de Windows 10 ont accès à WVD à un tarif très concurrentiel. En fait, le service est proposé au prix que les clients devraient débourser pour une machine virtuelle Linux ou Microsoft Azure. Les clients ne payent que les composants informatiques, de stockage et de réseau. Cela représente une économie gigantesque par rapport au coût de fonctionnement d'une infrastructure de bureau virtuel sur site. Autre poste d'économie notable, la possibilité d'utiliser Windows 10 en mode multi-session. Windows Virtual Desktop est la seule solution sur le marché qui permet aux utilisateurs d'exécuter Windows 10 en mode multi-session. Les utilisateurs peuvent ainsi utiliser la même machine virtuelle simultanément avec des sessions indépendantes les unes des autres. En outre, étant donné que Microsoft s'occupe de l'administration et de la gestion des tâches associées à l'exécution de l'infrastructure de bureau virtuel, la mise à disposition du Desktop as a Service n'a jamais été aussi simple et abordable. Imaginez toutes les possibilités que cela ouvre aux partenaires. Actuellement, plus de 70% des clients utilisant des services dans le cloud font appel à des partenaires pour créer et gérer des environnements dans le cloud, et la plupart d'entre eux privilégient les services sous forme de package comme le Desktop as a Service. L'IDC estime que le marché du DaaS progresse à un rythme de 30% par an et qu'il devrait rapporter 3 milliards d'euros d'ici 2021. Selon les estimations de l'entreprise américaine de conseil Gartner, dès 2019, plus de 50% des utilisateurs de VDI étaient déjà déployés sur des plateformes DaaS. Microsoft Windows Virtual Desktop permet aux partenaires de créer leurs propres offres Desktop as a Service en générant des activités récurrentes à marge élevée. Et grâce à ses atouts en termes d'expérience utilisateur, de complexité et de coût, cette solution est susceptible de séduire de nombreux clients qui n'avaient pas encore envisagé de passer à la virtualisation de bureaux. Et cerise sur le gâteau, Windows Virtual Desktop est conçu pour fonctionner avec un grand nombre de solutions tierces, telles que celles de Citrix ou de VMware, des solutions Windows Virtual Desktop agréées. Inscrivez-vous à nos vidéos à la demande et obtenez plus d'informations sur l'opportunité commerciale que représente WVD pour les partenaires, les méthodes de vente et l'accès à de nombreuses ressources techniques. Explorez également les possibilités de migration et de nouvelles implémentations.